Ciao, sono Eleonora di Terre di Mezzo e oggi sono qui con Lisa Balavoine, l'autrice di Un ragazzo è quasi niente, e possiamo farle qualche domanda. Quindi, Lisa, raconte-nous qui es-tu aujourd'hui et qui étais-tu à 16 ans? Alors aujourd'hui, j'ai 48 ans et je suis professeure et écrivaine. J'ai 3 enfants qui sont grands et à 16 ans, j'étais, je crois, déjà écrivaine dans ma tête, mais je rêvais davantage à le devenir et je lisais beaucoup. Et quels étaient tes rêves à 16 ans? Mes rêves à 16 ans, c'était d'abord de partir de chez moi et d'explorer la vie et d'aller voir plein de concerts et d'écouter plein de musique. Et j'avais vraiment cette envie-là et de lire aussi beaucoup. J'avais pas tellement envie de travailler. Et bah, du coup, pour Roméo, la maison, c'est un peu le magasin de disques de son oncle. Et quelle était ta maison en fait quand tu étais comme Roméo, quand tu avais son âge? Oui, alors moi, je n'avais pas la chance d'avoir un disquaire comme ça. Donc en fait, la maison que j'avais, ma maison de cœur, mon endroit de cœur, c'était un café qui Ok. était en face de mon lycée. Et on allait avec 2 copines pour essayer, voilà, de refaire le monde. D'accord. Et quand tu étais ado, quel était le rôle de la musique dans ta vie? Ah, c'était vraiment un grand rôle parce que j'écoutais d'abord beaucoup, beaucoup de musique, mais ça depuis que j'étais vraiment toute petite, parce que mes parents en écoutaient beaucoup aussi. Et j'allais voir beaucoup de concerts et je tombais toujours amoureuse des musiciens. Et quels étaient les artistes qui ont marqué le plus ton parcours? Alors, je crois que mon premier amour musical à l'adolescence, à partir de 10 ans, c'est Madonna. Ok. Vraiment, vraiment, je l'adorais. Et ensuite, je suis plutôt allée vers la Cold Wave, donc Joy Division et The Cure. Vraiment. Et ensuite, je pense vers le rock indé plus Nirvana, D'accord. voilà, que j'ai vu en concert une fois à Paris. Et Waouh. ça reste un grand souvenir. Quelle chance. Et bah, du coup, à qui t'es inspiré-tu pour Roméo? Comment il est né? Quand il est né? Et bien, je me suis inspirée globalement de moi, de Ok. mon adolescence, en fait, parce que Roméo et moi, on se ressemble beaucoup. On avait les mêmes sentiments. J'ai essayé de les explorer en me mettant dans la peau d'un garçon. Mais globalement, je suis l'inspiration principale. Et sinon, je m'inspire aussi des élèves que je vois dans mon travail. D'accord. Et tu penses que le fait que Roméo est féministe d'une certaine façon, il est nécessaire aujourd'hui. Pourquoi, à ton avis, est-ce si difficile de parler de sensibilité auprès des garçons? Mais je pense que c'est pas difficile de leur en parler. Je pense que pour eux, c'est D'accord. difficile, par contre, de l'exprimer. Parce que les garçons ont tendance, alors même si ça change avec cette nouvelle génération, mais ils ont quand même tendance à considérer qu'il faut garder pour soi ses émotions. Et je crois que Roméo leur dit qu'au contraire, il faut les sortir de soi-même. Et t'écris des chansons ou Alors t'aimerais. non, j'écris pas du tout de chansons, j'écris de la poésie. Mais par contre, je vis avec un amoureux qui écrit des chansons. Donc j'ai quand même tout le temps de la musique. Et là, même mon fils vient de se mettre à la guitare, donc je pense que j'en sortirai jamais. Ah waouh, ok, t'es destinée là. Et qu'est-ce qu'aurait pensé la Lisa adolescente de Roméo et Justine, à ton avis? Oh, je crois que j'aurais été assez envieuse parce que moi, j'étais plutôt timide et j'avais pas trop d'histoire d'amour. Enfin, genre, je rêvais d'en avoir et je tombais toujours amoureuse du plus beau garçon, mais il se passait jamais rien. Et je crois que j'aurais été assez envieuse d'une relation parce qu'ils ont une belle relation, qui est une relation finalement d'amitié amoureuse. Et je crois que j'aurais bien aimé vivre ça. D'accord. Et pourquoi penses-tu que ce livre est autant aimé aussi par les adultes? Parce que peut-être parce qu'il est écrit par une adulte et que je pense que les émotions qu'on ressent à l'adolescence, en fait, elles sont universelles et qu'on peut se rappeler en tant qu'adulte les émotions qu'on a ressenties adolescent et que finalement, même si le temps a passé, ce sont toujours les mêmes émotions. D'accord. Et un message peut-être pour les lecteurs et les lectrices italiens? Ben d'abord, je suis ravie que ce livre sorte en Italie. Et puis quand même, mon héros s'appelle Roméo. Eh Et voilà, il est oui, quand même italien. c'est vrai. Et finalement, j'espère que les lecteurs ici s'empareront de cette histoire et auront envie aussi de se rendre compte qu'eux aussi, ils sont quelque chose. Super, merci. Merci.